Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, c'est Maxime Lorrain, on se retrouve pour la suite de DC Universe Online, enfin. Et cette fois-ci, normalement, ça devrait marcher, vu que j'avais fait un peu le test. Voilà, alors je l'ai refait. Et attendez deux secondes. Attends, retour. Pour la personnalisation, attends, il y a un problème. Ça diffère de ce que je voyais, je trouve, un peu avec... sur l'autre télé, attends. Sélectionne un cible de téléchargement exobyte. Crime. Sélectionne un cible de téléchargement exobyte. Ouais, couleur. Utiliser, ou copier les pour les cheveux. Ou d'un criminel terrien. Ouais. Ouais, attends. Alors. Ouais, même si assez sombre, voilà. Voilà, je trouve ça c'est bien. Un peu au burn, la coupe au burn, voilà. Téléchargement réussi. Ouais, donc on se retrouve avec Alexim People. J'ai fait un putain de combiné de trois noms là. Il faut que ça marche. Ouais. Ah, ça marche. Putain. La Terre. Bravo! C'est la bonne réponse. Centre du multiverse. Un jour, elle appartiendra à Brainiac. Bon, Brainiac, je ne planifie Brainiac, pas une invasion, mais plutôt une assimilation. J'ai identifié des lieux clés dans l'importante banque de données du savoir terrestre. Ce sont eux dont je vais m'emparer et numériser en premier. Alors, les sous-titres, c'est pas du tout ce que je... Moi, c'est vrai, putain. Bien sûr, des informations non essentielles risquent d'être assimilées avec. Mais elles seront triées et éliminées une fois la numérisation terminée. Eh mais est-ce que la des fois il dit... La résistance des terriens ne me préoccupe pas. Non mais franchement... Le... Eh mec, faut apprendre à lire son texte. Il n'y a pas sur cette planète d'intellect assez grand ni de puissance assez brutale pour s'opposer à moi. Bientôt, ce monde et tout ce qu'il contient seront à moi. Étonnant, il y a une anomalie dans l'atmosphère terrestre. Début de l'analyse. Ces exobytes sont ma propre technologie. Tous contiennent des quantités inconnues de puissance numérisée venues de l'avenir. Merci, de Terre. Méchant. Heureusement que t'es là pour nous résumer. Les récolteuses vont récupérer les données fournies par ces exobytes. Il est con, le mec. Ce qui scellera le sort de la Terre. Au fait, le forum Resident Evil 7 est à nouveau en activité nouvel pour ceux qui t'intéressent. Ces humains résistent à mes tentatives d'assimilation. Mes unités de conversion n'arrivent pas à les contenir. Que les humains utilisent leur pouvoir. Au bout du compte, ils appartiendront eux aussi à Brainiac. N'empêche Brainiac, le mec, je lis pas mon texte. Je le déforme pour dire la même chose, mais je ne lirai jamais exactement mon texte. Non mais comme j'ai dit, Resident Evil 7 est à nouveau en activité, comme ça, ça pourrait vous intéresser. Il y a mon ami Nalo qui est là-bas, il y a Léon, bon, il y a Sarah, comme d'hab. Hein, Léon, Alex, bah justement, big up. Steve va essayer de revenir, il y a Holt. Voilà. Venez, on est fous. Hein, Boubou ? Toujours pas mort, toi ? Eh, vieux, ça fait 2 ans que je pense que tu vas crever. Je vais vous péter la gueule. Eh bien, tu as survécu. On m'appelle Calculator, et je vais tenter de te faire quitter ce vaisseau en un seul morceau. Première priorité, chercher une porte ou quelque chose de similaire. Attends, je vais... Dysfonctionnement de la chambre de conversion. Malheureusement, le vaisseau sait que tu ne dors plus. Tu es prêt à te battre pour sortir d'ici?
Putain, comme je l'ai niqué l'autre. Je lui ai fait une attaque silencieuse d'ailleurs. Attention. Dans... L'activité sur le réseau du vaisseau m'indique qu'il se rassemble derrière cette porte. Ouais. D'ailleurs, dans Yandere Simulator, il y a de nouvelles animations, dont des dont une animation d'élimination discrète. Ça, c'est cool. Et paf, mais tiens, je te fous des torgnoles, mec. Bon, les torgnoles, ça marche pas pour péter des objets. Alors, dans ce genre de jeu, comme dans les vieux jeux X-Men que j'ai sur Xbox, on peut péter tout ce qu'il y a en décor. C'était un peu comme Deadpool. Et c'est ça que j'aime bien avec les beat'em up, voilà, comme ça, beat'em up. Je sais plus quel est le vrai terme. C'est qu'on peut péter voilà, tout ce qui bouge, et même tout ce qui bouge pas. Dans les Lego, ça permet d'avoir des trucs, dans la majeure partie des jeux aussi. Hein. T'as souvent des trucs dans les caisses que tu pètes, donc autant faire ça. Et puis j'adore péter des trucs. Bon, en tout cas, on a Calculator qui nous aide. Hein. Il faut que tu pètes le son. T'as le son qui augmente à chaque fois que je rejoue. Tu sais, t'as le casque qui se remet en mode. Hein. Et voilà, je lui ai pété. Putain, mais y'a rien. Nada, que chi walouf. Ouais, mais les gars, vous avez des super caisses de la mort, mais il n'y a rien dedans. Et les gars, faut me dire, à moins que non, en fait, il y a tout qui explose quand je tape, en fait. Je vais patrouiller du côté des prisonniers. Eh, hey, viens me niquer. Ok, non, salut, au revoir. Et triangle, et si j'appuie sur triangle devant? Ok, non. Kiki. Bon. Alors, t'es niqué, hein? T'es niqué. Ah, et en plus, il y a un compteur de coups. Alors là, c'est, ouais, c'est vraiment beat them up, hein, voilà. Hein, les compteurs de coups, les trucs comme ça. Réparation déclenchée. Aïe. Wow. Vas-y, vas-y, je t'envoie des trucs. Système endommagé. Je te botte le postérieur. Bon, je crois qu'il est bientôt mort. Voilà, il est mort. Ah, enfin des points. Aïe. Hein? Ok. Oui. Bon, ça, on va péter. Au lieu de me le péter sur la gueule. C'est lequel en fait? Attends, c'est... Si je pète toutes les caisses, ça sert à rien, mais... Ah, enfin! J'ai eu des XP. J'ai gagné un point de pouvoir. Appuie sur option pour ouvrir l'arbre des pouvoirs. Fais désormais niveau 2. Ouais. Alors j'ai des tactiques. Taser magnétique provoque une ligne de taser autour de la cible pour lui affliger des dégâts. Électrifie les ennemis. Ok. Pour les appareils. Bombe adhésive qui se colle aux ennemis et qui. Direct ça, vas-y. Ah non, mais bombe adhésive, c'est grenade plasma, c'est les trucs que j'aime. Tu vas être plus fort que nos collectifs, choisi parmi ses compétences basées sur tes personnages favoris. Ah, ça recule niveau 10, ok. À toutes les unités, le sujet ne se trouve plus dans les couloirs principaux. Passez le vaisseau au peigne fin. Mais quel peigne?
Ok, j'ai mon inventaire. Alors, compétences, armes, arts martiales, arc, j'ai rien d'autre. Acrobatie. Ok, niveau 9. Pouvoir. Armement, dégâts. Combat d'élite. Ah, ok, il y a d'autres trucs. Ah, ouais, ça, là, on est bien dans un RPG là-dessus. C'est un RPG beat'em up. C'est waouh. Lève avec calculateur s'échapper du moissonneur de Brenna quand tu vois les instructions de calculateur. Plus de vaisseau, ouais. Non, j'ai pas fini en fait. Ouais, bah en fait, il y avait que ça. Style, alors cheveux. On pourra encore changer a priori de trucs. Et on peut choisir de verrouiller certains trucs ou pas. On verrouille ça. Ah, les cheveux, ça changera pas. La tête non plus, hein. Le visage, les accessoires, les... L'emblème non plus, c'est notre emblème. Par contre, les autres, ça pourrait changer. Plus tard. Ah, la peau, ça change pas. Et l'âme principale, ça dépendra. On verra. Voilà, le reste peut changer. Alors. Bon, là, on a les différentes couleurs pour les cheveux, pour le maquillage. Y a moyen de choisir noir? Voilà. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Quoi? Ah, elle est belle, même mon héroïne, n'empêche. Avant de terre. Appareil de rassemblage des serviteurs. Ok, cool. Enveloppe de mars se détruit. Vendre ses objets. Danteler les mines de main. Ok, durabilité. Voilà. Ouais, en fait, à poil, c'était surtout pour le début. Tu sais, tu commences à poil, ça. Ça fait vrai, ça fait. Voilà. Chemise plaquée, ok, quatrième monde, non récupéré, on va donner ça. Est-ce qu'on utilise cette... Voilà. Bon, allez, quand même, on se libère. Alors, vas-y, elle a la classe quand même, mémé. Hein. Bon, on a le marché. Non, je voulais pas le... marché. Et non, je vais pas acheter. Il est pas fini. Option. On peut changer de personnage, c'est pas mal. Gestion de ligue, pour créer une ligue, tu dois être membre. Yeah, génial! Fonction, il n'y a aucun événement. Et la carte, c'est la carte, c'est la carte. Hop, elle est par là, il y a un point de l'élément, il y a un point de l'élément. Objectif de rencontre, ah, ok. Ok, c'est par là qu'il faut aller. D'accord. Action. Exploit. Exécute un enchaînement de 25 coups. Bassin sbire dans les arènes, ok putain ouais. Épisode. Oh yo 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 yo. Ouais, sympa les trucs. Gros titre. Gros titre en remplissant des missions dans le monde entier, aucune revue de presse. C'est génial tout ça, attends, j'ai pas fini. Hein. Réputation. Ouais, divers missions des organisations importantes. Garde la renommée. Ah ça c'est cool. Enquête. Commence tes enquêtes à les icônes vertes en te cachant par le monde. Ok, dossier joueur. Et briefing de mission, c'est collection, allez. Ouais, mais tout va me plaire. Allez, vas-y, on y va, on continue. Pom, pom. Ça ressemble tellement à rien. Continue, tout le vaisseau est à ta recherche. Nous ne sommes pas encore sortis de là. Oh putain, j'ai vu son crâne chauve. Oh. Eh putain, c'est élégant, ça. Attends, il ressemble tellement à rien, là. Et vas-y. Ah ça, ça fait la miniature. Attends. Essaye de bien calculer. Ouais. Allez.
Ouais, ouais, là c'est mieux. Voilà, là c'est bien. Bon. Ça, c'est fait. Voilà, on a fait ça. Ouais, faut aller où, là ? J'ai l'impression que là-bas, il n'y a rien, donc j'y vais. Je veux taper des trucs, merde ! Ok. Bon. Ouais, ici, je pense que ça sert à rien. Allez, on continue notre chemin. Reste sur tes gardes. D'autres agents de sécurité approchent. Starlel, allez, ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux, hein? Jason Bourne, hein, je suis sa sœur. J'ai vu le dernier Jason Bourne, ça va, c'était bien. Il y avait juste les certaines scènes d'action où, putain, les successions de gros plans rapides. Ça m'a piqué les yeux, surtout au début. Mais après, c'était mieux géré. Et putain, au moins, il y a un scénario. On va dire, hein. Voilà. Heureusement que Jason Bourne est là. Bon bah moi je continue, hein. Je vais arrêter de tout péter, de toute façon rien ne me... De toute façon les trucs me donnent rien ici, ils sont radins. Tout ce qui me donne des trucs, c'est les ennemis. Là. Je suis un peu déçu. Il y a une connexion de haute surveillance devant toi. Vas-y, et utilise les tubes de transport. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Bon. Donc, a priori, il faut toucher l'autre bouton pour verrouiller un ennemi, ça. Ok. Oh putain, j'ai eu peur là. Eh, hey, j'ai eu peur, mais fais pas peur là. Oh putain. Rien ne me donne ici de trucs. Non, toujours pas. Qu'est-ce que je disais? C'est ladin ces trucs, hein. Qu'est-ce que je te dis? Oh putain. Même pas mal. Bonjour, voiture là. Moi je continue mon chemin. Qu'est-ce que je te dis? On va interagir avec. Envoi d'une cargaison de marchandises terriennes. À toutes les unités en position. Maîtrisez l'être humain. Eh ben je vais vous niquer, hein. Voilà, pour projeter sur... Ok. Les objets que tu peux ramasser brillent en vert. Alors, R1 pour verrouiller la cible. Ok. Et Jésus. Et Mouloud. Aïe. Envoi d'une cargaison de marchandises terriennes. Les gars, voilà, je vous ai niqué un coup, je vous ai tué. Bon bah moi je dois avouer, je gère pas trop bien les trucs, mais bon. Envoi d'une cargaison de marchandises terriennes. Exploit réussi. Démoli, ouais, des barils explosifs. Moi je les pète comme ça les barils. Ah oui, c'est comme ça. Oh putain, mais franchement, eh. Eh Michel, vas-y. Eh, je peux pas te prendre, mec. Envoi d'une cargaison de marchandises terriennes. Bon, arrêtez la vue, hein, Michel, hein. Le premier reste qui me redit en voix 2. D'autres agents de sécurité approchent. Ah, parce que là, on voit les marchandises terriennes, là, vas-y. Eh, j'ai tout, bande de bâtards. Vas-y, t'as vu, je t'ai niqué, là.
Putain, il en reste. Vas-y, hein. Moi, je vais tous les annihiler. Hein, les sentinelles à la Marvel. Non, elles étaient quand même plus grandes de chez Marvel. Bon. Alors. Magnifique. Je détecte une puissante force d'invasion à bord. Il faut détruire ce vaisseau. Je peux pas avoir du backup, là, parce que, franchement, je sens moyen, hein. Activité humaine détectée à proximité. Voilà. Moi, je suis toujours aussi efficace. Moi, je suis top, top, top. Ok. Vas-y. Hein? Ok. Détruis les appareils de sécurité de l'un des... Et tu sais quoi, va à la Wakba. Voilà. Bref, on va bloquer les attaques corps à corps. Eh Michel, tu m'auras pas, moi je suis Bruce Lilich. Bruce Lilich, la cousine de Bruce Lee. Elle est rien que ça. Je fais partie de plusieurs familles, c'est fou. Attaquons ennemi. Statut critique. Cible. Oh. Bah vas-y, toi tu t'arrêtes de me faire des lasers et toi le médium, hein. Retourne à faire du carnaval, quoi. Objectif en vue. Il est là. Il y a un bloqueur. Bon, t'es extrait, toi. Voilà. Vas-y, on maintient. C'est bien, les ennemis, hein, de venir par type, tu vois, tu sais. Faut que j'apprenne mes compétences, c'est génial. Initialisation. Bon, vas-y. Crève, 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 crève. Moi aussi, je peux te balancer des trucs en pleine gueule. Dégâts sur le vaisseau en augmentation constante. Éliminez l'individu en fuite immédiatement. Et je vous emmerde. Allez, vas-y, moi j'améliore mes trucs. Alors, armes. Armes martiaux. Vulnérable aux parades. Interrompre, vulnérable aux parades, ok. Projette les cibles en l'air. Clique tenir. Eh vas-y, on améliore un peu ça. Et attends, à toutes les unités en position, maîtrisez l'être humain. Boum, oh là là. Boum, oh là là, vas-y, vas-y. Boum, voilà. Eh putain, mais il y en a combien là? Maniac, sors de ta cachette, je sais où tu te caches. Bam, ta gueule. Bon. Eh, ta gueule, toi, finis comme Tchatchène. Tu sais, je l'ai fait, hein, Brutti. Bon, bref. Le canon principal du vaisseau se trouve juste devant toi. Détruis-le et l'explosion perturbera les boucliers du vaisseau. Ensuite, nous pourrons embarquer. Oh, Wagner ! Bam ! Bam ! Voilà. Et c'est ça, ouvre-toi. Oh la vache. Je peux pas courir, c'est ça. À la vache. Voilà. Bon, sentinelle, t'arrêtes toi là, tu fais chier. Ah, salut Luna, ça va? Détection de dégâts. Euh.
Système endommagé. Bon, toi, je vais te bientôt te tuer. Voilà, salut. Ne laisse pas les prisonniers s'emparer de la salle principale de contrôle des armes. Des dégâts dans les couplages de puissance peuvent déstabiliser le vaisseau. J'ai ma feu. Cherche les icônes sur les objets que tu dois détruire. Les points bleus sur la mini-carte correspondent avec tes objectifs. Que comme dit la mini-carte. Ok, point d'intérêt. Bon, je vais bientôt finir a priori ce niveau. Mon inventaire. J'ai pas mal de trucs. Alors, des bottes technologie pour les pieds. Protège taille. Et j'ai toujours rien, tu vois, c'est... Oh, il y avait ma tenue! Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, toi, ça va? J'ai un chat noir qui me regarde comme un extraterrestre. Qu'est-ce que je fais? Il y a Félix le chat. Ne sois pas. Non, Boubou, je parlais pas de toi. Tu ne peux rien faire pour stopper la conversion. Bonjour. Tu es à l'intérieur. Détruis tout ce qui relie le canon au vaisseau. Ok, on y va. Bouge pas, Couplage détruit. Stabilité à 75%. Et vas-y, t'es pas par là. Stabilité à 50%. Arrêtez le prisonnier. J'ai réussi à détruire celui-là. Ne déçois pas Brainiac. Comme je vous avais déçu, Brainiac. Tu parce as que moi, je l'ai fait sans le problème. Canon. Il s'écrase dans le champ de force de Brainiac en dessous. J'ai vu un chat partir, le chat noir qui m'observait. Tu te soumettras. Wow. Eh. Putain de merde. Merci, ça m'a soigné, ok. Eh. Attaque tout de suite le gardien de Brainiac qui est en train de recharger. Bon bah moi aussi je peux faire ça hein. Et vas-y, t'as vu, moi aussi je peux le faire. Allez, vas-y. Alors moi ce boss je te le fais hein. Oh, tu sais quoi? Mais... Oh. Gardez le manque! Ça n'a rien fait. Je me révolte, là. Et attention, je te tire dessus et tu vas mourir. Et moi, je vais lui porter le coup de grâce. Voilà. Celui-ci a échoué. Alimentation coupée. Lex, les boucliers sont désactivés. À toi de jouer. Misérable être humain, tu cours à ta perte. Tu sombreras avec le vaisseau. Non, il y a Lex Luthor qui vient me sauver. Oh, regardez, j'ai la tête dans le truc. Hé, hey, toi, aide-moi à repousser les attaques de Brainiac le temps que Calculator se branche à l'un de ses téléporteurs du vaisseau. Tu veux faire preuve d'héroïsme? Ah là, tu voilà. Ne peux pas défier la volonté de Brainiac. Rends-toi maintenant ou fais face à ta destruction. Mais vous parlez à Lex Luthor là, franchement, vous attendez à quoi? Oh putain, je vais gagner en XP là. Je te défends, hein, Lex. Bon, continue de combattre. Je suis presque dans les systèmes de commandement du vaisseau. Oh putain.
Façonneur 7-0 a été compromis. Déploiement des forces restantes sur Terre. Ah ah, on les a eus. Ce vaisseau a été compromis. Évacuation de toutes les unités. C'est pour ça que toutes les unités continuent à nous attaquer. Mais Lex, attends-moi, abruti. Tu peux te tenir? Bon travail. Tu es plus efficace ici que ces soi-disant héros incompétents dehors. Rends-toi dans la ville, je m'occupe du reste. J'ai quand même une tenue, hein. C'est particulier. Brainiac, tu parles d'un obsédé du contrôle. Même Batman a l'air gentiment névrosé à côté de lui. Dieu merci, le Lex du futur a inondé la Terre de pouvoirs folus. Maintenant, on va vraiment pouvoir foutre le feu. Et toute bonne apocalypse appelle sa part de cri. J'entends le Joker parce que Batman je l'ai choisi. Ne sera jamais de mes venus. Et pour Brainiac, faites comme le Joker. Soyez fous. Hein, j'entends le Joker parce que c'est lui que j'ai choisi un peu comme idole. Lex va se charger du reste. J'ai piraté les téléporteurs pour t'envoyer vers un endroit sûr. Vas-y maintenant. Ouais. Non, mais comme j'ai dit, j'entends le Joker parce que je l'ai choisi. Parce que si c'est ça, c'est cool. Parce que c'est vrai que j'ai choisi, hein. Comme un peu modèle, hein. Avec le doubleur que j'aime, qui a 90 balais et qui... Ah. Et qui me manquera. Donc les gros titres. Action. Que le monde est vaste et effrayant. Donc 8, 19, 2016. Lire la vidéo. Ah mais c'est la vidéo. Ah c'est une vidéo. Aucune revue de presse, c'est terminé. Ah c'est ça. Ok. J'aurais pensé que c'était autre chose. Bref, on va quitter le vaisseau. Voilà. Et on s'arrêtera pas peu de temps après. Oh, hein. N'est-ce pas?